Nous sommes le 1er novembre. Voici là où se trouve M. Iloï Bokoko. Un tombeau carrément dans les herbes. On ne comprend pas. Boukaki a bouffé beaucoup d'argent. J'ai dit bouffé parce que c'est des millions qu'on dépense ici pour enterrer les très chers. Mais quand on vient, ils sont dans la forêt, si on peut bien le dire, à Saint-Danger. Le tombeau que vous voyez là-bas dans les herbes, là on vient de payer quelqu'un pour qu'il puisse enlever les herbes. Vous voyez la forêt qui s'est faite ici, nous sommes là, il tape l'eau. Bon, inondé, les herbes. Vraiment, c'est pas facile. Ouais, nous sommes ici à Itatolo. Ouais. Nous sommes au cimetière d'Itatolo. Donc vous allez voir, les familles souffrent pour enlever les herbes et tout ça. Ici, nous sommes en train de voir comment le tombeau de M. Bokoko est pour le sortir. L'année passée, nous étions ici, on a fait un bon travail, mais dommage. Aujourd'hui, on est là encore pour continuer le travail. À suivre. Tout de suite, on va vous montrer comment ça sera bientôt. Comme je vous avais dit, la forêt. Là, c'est la forêt Itatolo, hein. Bon, M. Iloï, quand même, vous voyez, il commence à sortir de la forêt là où on l'a mis. Donc, petit à petit, on est en train de nettoyer. Vous voyez, on est en train de nettoyer. Mais c'est la forêt ici, hein. Vous voyez? On continue de nettoyer. Son voisin ici, les gens ne sont pas encore arrivés. Donc, ici, on joue même les chansons des... Ah, c'est compliqué. Je suis là avec M. Edgar. Bon, non? Oui. Ah. Mais ma c'est une bonne idée. Il fallait que nous passage à Toko Maguna. Mais oui. C'est beau, et puis moyen tous les gars. Tout sur le navire Bokoko. Moyen t'es. Parce que faut appeler ça une source d'inspiration. On continue, comme vous voyez, de nettoyer. Là, c'est devenu propre, vous voyez même à côté. C'était vraiment sale, donc les gens continuent quand même de nettoyer. Et là, on peut se rapprocher de M. Bokoko, vous voyez. On peut se rapprocher. Mais de l'autre côté, vous voyez. Hein, c'est vraiment la forêt. Ah là là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est terrible ici, on ne pouvait même pas arriver. Hein. Vous voyez. Le tombeau là n'est pas encore fait, mais c'est vraiment la pagaille. Et c'est le Congo, c'est le Congo. Et les autres, c'est pas comme ça. Si la famille ne vient pas ranger, nettoyer, c'est compliqué. Bon, ici, on a un grand souci. On n'a plus de photos. On n'a plus de photos, donc c'est vraiment compliqué ici. On ne sait pas comment faire. Il n'y a plus de photos. Là, on est obligé d'appeler quelqu'un qui peut bien écrire le nom là parce que le nom a été mal écrit. Parce que là, vraiment, c'est un péché. Pour un grand autorité, un grand directeur, et le laisser comme ça, on doit penser peut-être qu'il faut refaire la photo. On ne sait pas comment. Parce que la photo n'existe plus. La photo n'existe plus. Et c'est un grand travail, ça. Mais tout de suite, j'appelle quelqu'un pour venir réécrire ça. Et puis, on va continuer de faire la vidéo. Ok. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre.
C'est comme je disais, bon, là, on a nettoyé. Vous avez vu d'où nous sortons. Hein. C'était vraiment la forêt ici, les gens arrivent. Oui, maintenant là, je suis allé appeler quelqu'un pour mettre la peinture, pour réécrire le nom là, parce que c'est important. Le nom de monsieur Bokoko ne peut pas être comme ça. On va réécrire, on est là. Là où il y a levé la photo, on a mis une fleur. Oui, je suis accompagné de monsieur Edgar. Vous savez, hein, on est là, on continue de travailler. Bon, c'est ça. On voit ça. Nous sommes là, c'est lui. Nous sommes les fruits de ses entrailles. Là, monsieur Edgar est en train de prendre le vin comme aimait le prendre de monsieur Bokoko. On est fiers. Vraiment, on est là. On a allumé un peu de bougie. Et comme symbole, bon, Mboyebi. C'est comme ça, oui, on est là. D'abord écrire ça pour que tu n'oublies pas, sinon pas. Je vous ai demandé peut-être que vous maîtrisez. Non, on maîtrise, mais toi, tu vois. Là, le peintre est là, on entend effacer le nom. Lui, le nom est là, je comprends. Il a trop négligé. Dernièrement, on était là. Il y avait personne ici. Même ici, il y a eu la forêt. On va réécrire le nom de papa. Ici, vraiment. Mais tu es toujours derrière la forêt. Tu dis qu'il y avait une forêt. Non, mais c'est ce que je dis au moins. L'année passée, nous sommes arrivés, partout là c'était nettoyé. En dehors de ce combo-ci. Et quand nous sommes arrivés aujourd'hui, il y avait une forêt. On ne devait pas venir s'asseoir ici. On ne devait pas. On tient sous deuxième couche. Ok, faut, au moins tes poignets c'est passé. Donc là, on attend 30 minutes pour qu'on puisse réécrire le nom. Et à partir de là, nous allons laisser papa et puis regagner nos maisons. Ouais, il y a maintenant du monde. Hein. Nettoyage, nettoyage. Kana, je vous foutre dans la tata, vous avez un peu de soucis. Amaké. Oh, bah, tika qui nous a dit, ce que nous mettons au bazar, le putain de cacao. Bah, tika, nous nous sommes à la fin de la piste en avant. Là, on a déjà commencé à réécrire le nom. Le nom qui était mal écrit. Thank you.
Oh, 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 maman. Point à I, Simon. Non, on a comme le roi d'être tu as décédé, c'est pas bon. Tu as faussé, papa. Non, ouais. Non, comment on peut ça, papa? On a noir sauté. Ah, il y en a comme moi. Ah, eh, décédé de 20 ans. Pardon. Thank you.
Là, on trichait, hein, t'as rien dans le col. Oui, tu vas comment, bon. Ah non, ça va, quand même, c'est sauté. Et déjà, on trichait. Oui, t'es à la place, ma banane, à la place, c'est souka. Ah, mais oui. Ça dépend. Ça dépend. La calligraphie. Non. Bon, là, on a fini de réécrire le nom de papa et le jour de sa naissance et le jour du décès sur la croix mise sur son tombeau. Oui, ok. Je pense que, bon, il est venu le temps de payer monsieur. Ouais, bon, on va le payer et puis. Monsieur Edgar, le grand financier de l'association Culture Plus 242. Oui, on a fait ce qu'il fallait faire. Le grand financier de l'association Culture Plus 242. Toujours. Monsieur Edgar Ngoumey. Voilà. Le Mazamaza. Il a même dit hein, le Mazamaza, oui. Donc, il est là, bon. Bon, merci. Bon, on continue l'ambiance ici, à Itatolo. Ouais, chez Bouka. Ah, ouais. Ouais, ouais, la fête de ça. Ma balle, oh, toi aussi. Oh. Et Banaga, hein? Ouais. Comme on le disait, on est toujours ici à Itatolo. Vous avez vu que ça a changé. Ici repose Bokoko Iloy Simon René, né le 22 mars 1950, décédé le 27 septembre 2018, à Brazzaville, bien sûr. Le tombeau est ici. Ouais, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, oui. Et encore des bougies allumées pour papa. Vous avez vu comment on a nettoyé. Les autres, c'est encore compliqué, hein. Il n'y a pas encore des gens. Vous voyez, c'est comme ça, Itatolo, ici, chez Bouka. Regardez la forêt. Nous, on a pu faire quelque chose jusqu'ici, arranger chez nous. Là, c'est Ngoko, Flore, oui. Jusque-là, la famille, je pense que 2 ans, la famille n'arrive pas. Mais ces herbes-là, après quelques temps, oui, ça vient chez nous. Vous voyez, après quelques temps, ça vient chez nous. Encore. C'est un danger, ça. C'est un danger, c'est un danger. Vous avez vu comment on a commencé depuis ce matin. Nous, on est en train de nettoyer, mais les autres... Allez, on ensemble. Merci. Les gens continuent à nettoyer. Papa a 10 000 bisous. Cadre. Bon, comme on disait, on était là depuis le matin, on a essayé de nettoyer, on est arrivé très tôt pour nettoyer. Quand même, comme on dit hein, chez ma maman, Amindouli, même si je ne sais pas parler Rangala, mais le sang coule là-bas aussi. Bouta Kwanjika Bouta, donc, Talabetou Beba Moyo Wata Chiri. On est venu nettoyer pour que papa soit propre aujourd'hui le 1er novembre. Je ne peux pas accepter que moi je vais fêter le 5 novembre, le jour de ma naissance, et que mon papa, là où il est, il se repose en paix, puisse rester sale. Non. Je suis d'abord venu nettoyer le tombeau de papa. Et à partir de là, maintenant, célébrer le jour de mon anniversaire avec les miens. Bien. Vous venez pas dire avec les siens. Wow. célébrer le 5 novembre en bonté. Donc, c'est un peu ça. On est ici, moi et M. Edgar Ngoumey.
mon compagnon de lutte, hein, de tout le temps. Dit Jovis, le terroriste pour le Mazama. Ah oui, ah. Donc lui qui mangeait le ngembo qui préparait. Papa préparait avec les mangues. Voilà. C'est mon souvenir que je garde, papa. Donc, c'était un champion de préparer les voilà. Ngembo. En tout cas, je vais l'honorer. C'est mon père. J'ai aimé. Et c'est le... Bon, beaucoup de souvenirs, mais ce que j'ai gardé, c'est ça. Voilà. Donc, on peut se dire vraiment merci. Alta Lui. Ça nous a permis d'arriver jusqu'ici aujourd'hui. Je pense que jusque-là, nous, on va laisser ce lieu pour les jeunes de la famille. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Edgar, continue. Merci, papa. Nous, on va déjà trouver papa. On ne cesserait jamais de venir pour vous soyez capable de quand je parle, c'est quoi ?